comment nous pouvons accepter en tant qu'Africains d'avoir cette vision de l'entrepreneuriat adossée sur l'aide de l'autre. Si vous ne comptez pas sur vos propres ressources, arrêtez de rêver. Si vous comptez sur un système, oubliez vos vies. Démarrez. Vous allez vous rendre compte de tous les obstacles et vous allez apporter des solutions. Évitez certaines phrases qui vont vous tuer. Je n'ai pas d'argent. J'attends quelqu'un. Il n'y a pas l'État. Il n'y a pas un moyen ou une constitution qui impose une personne à apporter un soutien pour une autre personne. Je ne peux pas regarder l'autre. Parce que si je regarde l'autre, ça crée de la jalousie, ça crée de l'imitation. L'école n'est pas uniquement la principale source pour réussir. Apprenez à vous débrouiller. On est tellement dans la copie et on n'est pas chez nous dans la copie qu'on ne peut pas avoir confiance et on demande assistance. On a plombé nos cerveaux de notre culture. Il faut une émulsion de l'esprit. Oubliez tendre la main. Quelle que soit la relation que vous avez avec une personne, oubliez ça. Ce qui est important dans une vie, c'est la culture de l'effort.